Simon, on est avec une voiture qu'on a conduite à quelques reprises. Ouais, à quelques reprises, puis qui nous rappelle surtout de très, très bons souvenirs. Ouais. Écoute, la première fois que j'ai tourné un L4, c'est en 2016, pour une deuxième saison de Propulsion. Tu n'étais pas encore avec nous autres. Et on avait tourné ça dans un tunnel où, à l'époque, on faisait beaucoup de scénarisation. Ouais, ouais, je m'en rappelle. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était un band rock qui s'appelait les L4. Et je faisais partie du groupe. Déguisé en batteur avec des habits de cuir. Oh, oui, je me rappelle bien. Du surnom Panthers. Oh, oui, ça devait être chic. Moi, c'est Panther. On est les L4. On est des musiciens à temps plein, ils m'ont dit. C'est quoi que vous fuyez dans ce temps-là? Vous faites des scénarios de même? Écoute, ça c'était... C'est la vieille époque. Ça a vraiment commencé, tu sais, dans un garage. On a parti notre bande dans un garage, puis là, on est dans un tunnel. On est dans un tunnel. Après ça, on a eu aussi, avec la première année que t'es venu, saison 3. Oui. Et là, on a embarqué, t'as dit, regarde, on va emporter mon NASCAR contre le L4. Puis Carl qui nous a mis ça dans la boucane solide avec moi accroché au pare-choc en arrière. Ah oui, à un pied du pare-choc. Puis là, c'était Marcel, il a dit, les boys, moi, j'apporte l'auto, je mets du gaz de course là-dedans, puis inquiétez-vous pas pour les pneus. Ouais. Carl, lui, a déchaussé la voiture à Icar, comme ça se peut pas, mais ça a fait des images encore une fois extraordinaire. Mais, tu sais, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'on a fait à part ça. Ben, moi, je me rappelle la fois où est-ce que t'as pogné un air après moi, puis c'était quasiment. Je pense qu'il y avait vraiment un gros soupçon de vérité là-dedans. Là. T'étais pas bien, bien content, ça. Ça, c'était à Montmagny. Ouais. La Mustang Bullet et le. Challenger. Et je me rappelle, si je me rappelle bien, il était manuel, ce Challenger-là. Oui, oui. L4 oui. Manuel. En partant, vous avez commencé, mes deux petites princesses, là, à dire ah, ben moi, je vais avoir le Challenger. Les deux voulaient avoir le Challenger. Personne ne voulait embarquer dans le Bullet. Là, j'ai dit regardez, les boys. Là, j'ai tout changé mon organisation pour dire bon, ben regarde. Carl, tu commences avec le Challenger. Après ça, ça va être le contraire. On va faire un switch. Puis là, tout le monde va être content. On l'a fait. Mais à un moment donné, sa piste ressemblait plus à une locomotive. Un wagon de fumée. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça. J'avais plus mes commanditaires pour les pneus. Ouais. Ça me coûtait total. Mais j'avoue que je t'avais pas mal engueulé. Ah non, t'étais pas content. T'étais pas content, mais ça a fait de la bonne TV, par exemple. Arrête ça! Ouais, c'est comme si t'avais pogné une coche. Ils sont super usés. Les pneus, arrête! Arrête! Tu l'as allumé tout le long! T'as fait tout le tour, là. On avait fait aussi Camaro contre Challenger à Montmagny aussi. Carl était obligé de s'en aller. OK. Parce qu'il y avait des rendez-vous, mais on n'avait pas assez d'images. Fait que j'avais embarqué dans le Challenger. Oui, je me rappelle. J'avais embarqué dans le Camaro, puis on avait fait, comment dire... On avait un peu de boucan. Un peu de boucan pour les biens de l'émission. Les biens de la cause. Oui. Et la voiture qui avait 78 km... j'avais atteint 304 km/h dans mon show de boucan avec une voiture flambant. Oh, c'était vraiment intelligent quand on courait. C'était n'importe quoi. J'avais fait une vidéo avec Andrew Rangé avec deux Charger L4 que Marcel nous avait prêté. OK. Puis notre ami Frank Fournel. Frank, qu'on avait fait un stand d'avion avec lui. Il avait fait un. C'était ça. Bon, ben, on avait fait un. Écoute, c'est un spectacle, Frank. C'est un pilote d'avion incroyable. Ça a tellement fait un bon spectacle. Mais ça me rappelle la fois avec la BMW où ce que Carl avait touché à l'avion en plein vol. Ah non, ça c'était quelque chose. Ça c'était quelque chose. Ça c'était des beaux souvenirs aussi. Oh oui. Là, on est dans les Laurentides, là. J'ai décidé qu'on allait rendre hommage de vrai. OK, comment? Ben, elle a 100 pistes. Ouais, mais attends, quelle piste? La piste de Mont-Tremblant? Ben oui. Non, attends un peu, là. Attends-tu. On leur a envoyé la main, bon, Bob, je te le dis. Hein? Il faut bien rendre hommage à cette auto-là. J'ai tellement de bons souvenirs, moi, qu'une. Avec un Charger L4. C'est un événement en Porsche. Ah, regarde, ça passe. Check, ça passe. C'est marqué événement privé, mais c'est pas grave. Check, je l'avais dit! On est déjà rentré! Les caméramans sont déjà là. C'est-tu organisé, cette affaire-là? Ben non, y'a rien d'organisé là-dedans, tu sais bien. Attends, là, tu vas aller voir. J'ai même amené un beau casque juste pour. Oh mon! Puis t'as enlevé la palette! J'avoue que c'est beau! Ah, oh, tu me niaises! T'es juste là d'avoir la face un peu plus ronde. Déjà que t'es déjà joufflu. Oh, t'es mignon! Colique! Non, non, mais avoue que j'ai pensé à tout pareil, là. Hein? Ah, je regarde, je trippe, là.
Mais tant qu'elle rend hommage à une voiture avec laquelle on a eu tellement de plaisir... Non, mais je suis d'accord, là, mais c'est juste des Porsche, là. Ouais, mais c'est un détail, ça. Ben voyons donc. Je peux pas croire qu'on l'embarque. Écoute, elle sent. Avec un Charger jailbreak. Oh ouais, mais là, écoute. La piste de Mont-Tremblant avec des GT3 RS. C'est quand même 807 chevaux pareil, là. Ça n'a pas à bouger d'une GT3 RS pantoute, là. Ah, puis ça se démène, hein? Ben, quand même pas pire, là. On s'entend pour dire que c'est pesant, là. On s'entend un pour dire que le derrière veut passer en avant. Juste un peu. Et voilà. Zing! C'est fait. Ça, c'est une GT3 Cup, tu sais. Ouais, mais celle-là, c'est une vraie voiture de course, là. Déjà, c'est pneus slick. Hey, on s'entend pour dire qu'on roule une grosse berline, nous autres, là. C'est ça. Le son du moteur du V8 avec le superchargeur, c'est écœurant, hein? Ça. Le silage mécanique, là, moi, ça me fait triper. Là. Ah oui. Écoute ça en sortie de virage. Un bon vieux V8 de 6,2 litres. Je vais m'ennuyer de ça. Le gars, il nous regarde en voulant dire: qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? C'est sûr. Ouais, ben tu m'as réservé une petite surprise. Ben oui, d'après moi, t'as aimé ta surprise en plus, hein? Mais c'est pas moi, là, c'est pas moi, là. Non? C'est Marcel. Marcel, il voulait qu'on vienne essayer sa voiture sur la piste. Fait voir lui, de quoi qu'elle était capable. Il s'est dit que c'était une bonne idée de se prendre contre des Porsche GT3 RS. Ben, tant qu'à faire, hein. Côté poids, côté puissance, c'est plus pesant, mais on a plus de puissance qu'une Porsche. 807 au lieu de 514. Exact. Par contre, c'est sûr qu'on se le cachera pas que la Porsche est agile parce que en virage, au freinage, la coche est un petit peu plus élevée en termes de performance. C'est une berline, c'est fait pour faire l'épicerie. On va mener les enfants à l'école. Essaye de faire ça avec une GT3 RS. C'est ça, exactement. Je serais quand même curieux de reprendre ce duel-là, mais c'est une piste avec moins de courbe, plus de longueur. Puis on s'entend pour dire que l'accélération, c'est sa force, cette voiture-là, mais on parle d'accélération. 0-100, 3,4 secondes. GT3 RS, il faut faire attention, 3,2. Par contre, la vitesse de pointe, 296 la Porsche, mais celle-là, 324 km/h. Exactement, 324 km/h. C'est quand même. C'est vraiment rapide. C'est digne de toutes les voitures exotiques qu'on trouve sur le marché. C'est aussi rapide. Il y a le facteur poids aussi qui arrivait un petit peu contre nous autres, mais côté puissance, on était... Rapport poids-puissance, ça se ressemble quand même. Mais écoute, au niveau du poids, on le regardait tantôt, là, c'est 1300 livres de différence. 3300 livres pour la GT3. 4600 livres pour celle-là. Mais là, il faut pas oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Faut pas oublier que tu étais passager. Fait que rajoute un 300 livres de plus. Je vais m'ennuyer de ça. C'est une des dernières vraies voitures avec laquelle on peut avoir du fun, on peut s'amuser. Puis là, on regarde où est-ce qu'on s'en va. C'est Lascal cette année. Puis il y a une édition même qui s'appelle Lascal. C'est ça. On retrouvera plus l'esprit américain qu'on retrouvait avant. Là. Définitivement, on va être en deuil. On va être en deuil de perdre la L4. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a profité en masse. C'est sûr qu'on va encore en profiter. C'est certain. Mais ils disparaissent pas. C'est juste qu'ils en vendent plus. Non, mais... Oh, elle fait un petit show de boucan, là, Marcel.